Bonsoir à toutes et à tous, cher public de Facebook. J'espère que vous avez passé une très très belle journée. Donc Marie-Christine Eustache sur son profil pour le live numéro, alors je crois que qu'est-ce que j'ai vu, 37 sur 90. Et oui, si vous n'avez pas suivi le truc, je prolonge ce défi live jusqu'à 90 jours. Et puis, plus si affinité, on verra. Au moment des 90 jours quand j'y serai. Et donc, je vous ai mis en titre, pardon, Je rêvais d'un autre monde. Je ne sais pas si vous avez connu cette chanson de téléphone. Moi, il y a plusieurs années, j'étais fan de ce groupe-là. Bon, la chanson est en fait un peu tristoune, un peu catastrophique, un peu... voilà. Et puis, c'est une façon de rêver en sachant que c'est pas possible, quoi. Et ça, c'est pas possible finalement pour moi. D'accord. Puisque j'accompagne les femmes, essentiellement les femmes, qui ont une intime conviction qu'un autre monde est possible, qu'une autre vie les attend, mais qui savent tout simplement pas par quel bout prendre le truc, qui savent pas comment faire, qui savent pas comment avancer, etc. Elles ont envie. L'envie, elle est là. Elle est là, elle est profonde, elles font des actions, elles se démènent, mais finalement, les résultats, ils sont pas là. Pourquoi je vous partage ça? Parce que ça a longtemps été mon cas. J'ai essayé de trouver un job salarié. Avant ça, j'ai eu des activités salariées dans lesquelles je m'éclatais, dans lesquelles c'était un grand plaisir. Et puis, mon état de santé ne me permettant plus de travailler correctement en tant que salarié, bon, j'ai cherché à développer mon activité en libéral, mais j'arrivais pas suffisamment. Bon, j'avais à ce moment-là encore des galères au niveau de ma vie perso. J'avais la galère de la maison à gérer. Bonsoir, je vois qu'il y a un petit œil qui arrive. Bienvenue sur le live. J'avais des galères de santé. Et j'arrivais pas non plus à trouver un job salarié qui m'éclate vraiment, dans lequel je me plaise vraiment. Mais tout simplement parce que je ne m'étais pas posé les bonnes questions, parce que je ne savais pas comment clarifier les choses à cette époque-là. Et donc j'ai cumulé plein de petits jobs à droite, à gauche, de l'intérim, des trucs et tout. Ça m'a foutu un bordel monstre dans le dossier Pôle emploi. Ça, c'est une autre histoire. Et il m'a fallu du temps, finalement, parce que les personnes qui m'accompagnaient à ce moment-là n'étaient pas adéquates par rapport à mon besoin. Et c'était des personnes aussi qui voulaient m'emmener sur un chemin qu'elles avaient dessiné, qui n'était pas le mien. Et c'est ce que j'ai compris après, quand j'ai fait la formation de coaching de type professionnel, donc là où j'ai eu une formation certifiante, un master, master 2 en coaching, qu'en tant que coach, on doit proposer des choses, on doit inviter la personne à retrouver les ressources en elle pour qu'elle dise « ouais, ça, ça me botte vraiment, ça, ça me plaît ». Et c'est ce que je fais, moi, au niveau de mes accompagnements. Et c'est vrai qu'en fait, au cours de mon parcours, il y a souvent eu des personnes qui m'ont dit « Ah ben ouais, mais c'est ça dans lesquelles tu devrais faire, parce que c'est là où tu es bonne, etc., où tu te débrouilles bien. » Donc, c'est ce que j'ai fait, en fait, pendant des années, à essayer de ranger dans une case que les autres m'indiquaient et qui n'était pas forcément la mienne. Donc, l'accompagnement, moi, que je propose, c'est toujours, on part de vous, de ce que vous avez envie. Et puis on déblaye, et puis on travaille sur le truc pour voir si c'est vraiment ça qui vous botte ou pas. On se calme à foutre autre chose, on trouve en général. Et il y a un moment quand c'est ouais, ah ouais, non mais c'est vraiment ce truc-là, de toute façon on sent des frissons partout dans le corps, on a la chair de poule, etc. Là on sait qu'on a touché le bon sujet, le bon truc. Et après, on passe à l'action concrète. Ok, d'accord, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à faire cette action-là, à avoir ce job? Il va peut-être falloir poser des candidatures, répondre à des annonces, etc. Et puis aussi avoir la foi qu'on peut trouver, quel que soit votre choix, si vous souhaitez trouver une belle entreprise pour vous éclater en tant que salarié, eh ben, c'est possible. Il y a des super sociétés qui existent, avec des bons managements, des bons encadrements, des bonnes pratiques, avec
Voilà, tout un environnement en fait qui prend soin du salarié. Et c'est dans une société comme ça que j'ai réussi à rentrer il y a 2 ans et demi. Ce qui m'a permis de me poser, de pouvoir continuer à travailler sur ma santé, ma vitalité, pour récupérer l'énergie que je n'avais pas et même beaucoup au-delà. D'accord? Parce que j'ai récupéré de l'énergie que je n'imaginais même pas avoir un jour. D'accord? Il y a plusieurs années, j'étais malade, j'étais KO. Si vous regardez d'autres lives, vous verrez, j'en ai parlé. Si vous allez voir sur la chaîne YouTube, vous pourrez voir des vidéos que j'ai commencé à faire il y a 4-5 ans, où on voit que j'ai pas une énergie au top, mais à l'époque, je ne savais même pas que je pouvais avoir une autre énergie. Je savais qu'une autre vie était possible. Je savais qu'autre chose m'attendait de mieux. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quoi, mais je savais que c'était possible. Et aujourd'hui, je le vis. Et c'est ça que je souhaite vous partager. C'est là-dessus que je souhaite vous accompagner et que j'accompagne déjà des personnes. Et en fait, voilà, j'ai fait. Voilà, ma fille m'a ramené tout le bazar qu'il y avait dans sa chambre, qui sont des affaires à moi et à mon chéri. J'ai tous mes dossiers des personnes que j'ai accompagnées depuis quelques années. Et il y a plein de personnes à qui j'ai permis de passer ce cap-là. En fait, de voir qu'autre chose est possible, le sourire revient sur les lèvres jusqu'aux oreilles, les yeux pétillent, et la personne dit « Ah oh, ouais, c'est génial, ah bah oui, je peux faire ça en fait, c'est vrai, je peux le faire, c'est réalisable. » Là, c'est juste top, parce que ben, je sais qu'elle est sur la bonne voie et qu'elle va pouvoir continuer à avancer. Moi, je vais l'accompagner jusqu'à un certain stade, peut-être après ou pas. Et après, de toute façon, elle va continuer de grandir, elle va continuer d'évoluer, elle va continuer d'avancer et d'impacter l'environnement, de donner aussi une autre image à ses enfants. D'accord? Parce que quand on est maman et quand on est comme j'étais il y a quelques années, toujours malade, toujours à me traîner littéralement, vraiment, c'était compliqué, c'était une horreur pour mes filles. Quand j'y repense, je dis, mais c'était vraiment pas top quoi d'avoir une maman comme ça. Donc évidemment, je suis super fière de moi et super contente d'avoir réussi à switcher ça. Et si vous regardez la vidéo aujourd'hui et que bah, c'est quelque chose qui vous est arrivé ou lesquels vous est, qui vous arrive peut-être aujourd'hui parce que bah, vous n'avez pas encore trouvé le bon chemin, le bon accompagnement. Bah sachez que c'est possible. Voilà. Et moi, je vous accompagnerai avec grand plaisir sur ce chemin. Je suis en train de finir de finaliser les choses, de cadrer un peu mieux. Voilà, je l'ai déjà fait pour d'autres personnes. Et donc, c'est un grand bonheur pour moi de le faire et de voir aussi les personnes s'épanouir, passer des challenges et puis voir que, bah, elles créent un meilleur monde pour elles. Elles créent un meilleur monde pour leurs enfants, pour le conjoint, pour l'environnement. Et comme je l'ai dit il n'y a pas très longtemps dans une autre vidéo, on change un humain à la fois. Et voilà. Et donc moi, quand j'accompagne un humain à évoluer, à grandir, à changer, et ben je sais que derrière, il y en a peut-être 2, 3, 4, 5, 10. Ça dépend des personnes et ça dépend de ce qu'elles vont développer derrière. Mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment le bonheur. Voilà. Donc oui, je rêvais d'un autre monde. Et cet autre monde, je l'ai construit, je le construis, je continue de le construire, parce que maintenant que je suis arrivée à un certain stade, ben je continue à rêver d'un autre monde encore plus, et je sais que c'est possible, je sais que c'est réalisable, je ne sais pas encore trop comment, bon maintenant j'ai les bonnes personnes pour m'accompagner, mais je sais qu'il y a plein de choses de réalisables. Et c'est génial pour mes filles. C'est génial pour les personnes que j'accompagne, c'est génial pour mes petits-enfants quand je serai grand-mère. Je commence à avoir les cheveux gris et tout. Et j'aurai grand, grand plaisir évidemment à avoir des petits-enfants. Donc voilà, ce que je souhaitais vous partager ce soir. Je rêvais d'un autre monde, cet autre monde est possible, je le vis. Si vous aussi vous rêvez d'un autre monde, cet autre monde est possible et vous pouvez le vivre aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt et en tout cas à demain pour le live. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à transmettre ce live à des personnes autour de vous si vous pensez que ça peut leur être utile, parce que on a besoin d'avoir un maximum de personnes qui ont envie de vibrer dans le bonheur,